Pendant que certains ont la tête dans la lune, d'autres ont les mains dans le cambouis. Jeff Bezos quitte son poste de directeur général d'Amazon pour se consacrer à sa passion, le tourisme dans l'espace. Alors quand il mettra ses vêtements dans sa valise, j'espère qu'il aura une pensée pour les travailleurs de ses sous-traitants au Bangladesh qui fabriquent des vêtements pour Amazon. Ces travailleurs qui étaient en grève le 26 mai dernier, qui ont été renvoyés chez eux sans un centime pendant les confinements, qui sont pour garder leur emploi obligés d'accepter une paye à moins de 80 euros mensuels pour 12 heures par jour, 6 jours sur 7, dans des conditions déplorables. Et tout ça alors que Bezos, assis sur un petit nuage, engrange des milliards pour payer sa fusée. Alors, chers collègues, forçons Amazon et toutes les multinationales à redescendre sur Terre, qu'ils payent leurs travailleurs avec un salaire qui permette de vivre dignement et pour lequel ils ne risquent pas leur vie. Vous conviendrez que ça, c'est pas demander de décrocher la lune.